Plein le dos, de Jean-Bernard Puy. La nuit pointe son encre. Des phares et loupiottes s'allument un peu partout. Et les véhicules, grimpant à bord du ferry, ressemblent à des scarabées à pile fournis à l'achat. Un peu plus loin, sur la lèvre instable de la petite falaise du Polet, pas loin de Notre-Dame du Bon Secours, un homme, de dos, ombre parmi les ombres, regarde patiemment le port plus bas et le balai des bagnoles entrant dans le ventre mazouté. Il ne bouge pas d'un poil, malgré le petit vent tenace venant de la Manche. Et puis, tout à coup, il se tend. Ses yeux isolent, pupilles de loup inspectant de loin un troupeau uniforme de moutons, une voiture qu'il vient de reconnaître dans la file menant au pont arrière du Seven Sisters. Au moment où elle va grimper sur le navire, très théâtralement, l'homme se concentre, ferme les yeux et claque des doigts. Et la voiture explose, gerbe de rouge orangé dans l'obscurité. L'homme tourne alors le dos à la mer. Et 2 secondes après, le bruit sourd de la détonation le rejoint au moment où il rentre dans l'ombre. Ce foutu limbago. 10 ans bientôt que je le traîne. Il me laisse relativement tranquille la nuit, mais dès que je reprends la station debout, c'est normal. C'est ce qui me différencie du serpent. Ça y est, il se rappelle à moi. Et dans le genre, cisaillant, éclair blanc dans le bas du dos, coup de yatagan dans les reins. C'est presque un copain. Alain, je l'appelle. Alain Bago. Ouais, je sais. Mais depuis quelque temps, 3 ou 4 ans de douleur, j'en ai vraiment assez d'Alain. Il me sort par les trous de nez. Transporter en permanence un instrument de torture, genre inquisition, en haut des fesses, me prend la tête et m'empêche de m'en servir. Ma foi. On peut se séparer d'amis intimes sans trop avoir de remords, sans avoir honte d'exercer une faute morale. Alors, pour éradiquer cette alien qui me bouffe le dos, tout y est passé. Les kinés, ostéopathes, manipulateurs de type philippin, spécialistes de la lombaire et autres torsionnaires. Et je ne parle pas de quelques vedettes ultra-médicales, toujours recommandées par un ami cher, qui m'ont fait plus trembler que les vampires grimaçants de fin de cauchemar. Heureusement que j'ai la carte vitale, sinon c'était la ruine garantie. Je ne dis pas qu'ils étaient tous des charlatans, loin de là. C'était la plupart du temps des gens guéris qui m'envoyaient chez eux, mais... Bon, Alain était toujours là, à me bousiller les reins, dès que j'avais à m'extirper d'un siège nouveau. Que ce soit d'un fauteuil en cuir, d'un tripalium d'avion ou de TGV, voire d'un tabouret de bar. Et puis un jour, chez un brave médecin généraliste que j'avais consulté pour une simple angine, changement de programme. Il m'a regardé me lever péniblement de la chaise du patient, m'a demandé des précisions. Je lui ai dressé un tableau à la Goya de mes ennuis dorsaux. Je lui ai avoué avoir rencontré la plupart des diafoirus cotés sur le marché. Et il est devenu pensif. Moi, je vous dis ça comme ça. Hein. J'y crois pas. Mais bon, je vous le dis quand même. J'y crois pas, je vous le redis. Mais bon. Son regard amusé. J'ai des amis qui ont été voir un certain Raymond Mézin. Alors attention, hein, j'y crois pas. Mais leur limbago a disparu en 2 séances d'application des mains. Ah, non, je vous dis ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais bon, comme j'y crois pas. Alors attention, vous dites pas que c'est moi. Me confier ça à moi, rationaliste forcené, athée notoire, j'ai failli me lever et partir sans payer. Mais en sortant, cassé en deux, et buvant un demi douloureux au bar d'à côté, je n'ai pourtant pas jeté le papier sur lequel il avait griffonné une adresse. Je l'ai glissé dans mon portefeuille en haussant les épaules. Signe du destin, mon patron, 2 jours après, m'a envoyé en Normandie-Nord.
pas loin de là où habitait le fameux sorcier. Il y avait de gros problèmes sociaux avec les ferries transmanche. Fallait aller voir de plus près. Il y avait un journaliste sur place, mais comme c'était prévu pour le magazine, il fallait aussi quelques photos. Surtout que, dans peu de temps, il n'y aurait plus de ferries dans les parages. Je sais que c'est pas folichon, folichon. Florence Aubenas a déjà fait une partie du boulot. Les photos, ce sera payé au lance-pierre. Mais j'y pensais. T'en profiteras pour prendre un peu de vacances. T'en as besoin. Tu ressembles à Sisyphe. Des vacances. Sur la Manche. Tu verras. Quelquefois, il y fait beau. C'est combien, quelquefois? Et puis, il y a plein de trucs à visiter. Le cimetière de Braque, le manoir d'Angot, l'aiguille Creuse. Tu respireras le même air que Maupassant ou Arsène Lupin. Tu te loues une bagnole, 3 ou 4 jours, note de frais. Super. 30 000 signes l'article, pas plus. Donc on peut compter sur 4-5 photos impeccables, dont une sublime, bien sûr, à la Times, pour caser le titre. Ah ouais, le Times. Dans le tréfonds de mon cortex détruit en permanence par mon pote Alain, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'aller consulter le fameux chaman. Qu'est-ce que je risquais? Dehors, en tentant douloureusement de ramasser en pleine rue une pièce de 2 euros tombée dans le caniveau, je me suis décidé. Va pour la côte frileuse. Raymond Mézin habitait donc à côté de Dieppe, à une dizaine de kilomètres, dans une petite maison longeant la route, pas loin de Pourville, au bord de la Manche. Vous savez, cette mer glauque, vert-marron, toujours glacée, et souvent bordée de plages avec des galets gros comme des œufs d'autruche, là où les Américains ont décidé de ne pas atterrir pour sauver la France, préférant le sable qu'il y avait plus bas vers le sud. Il y avait que les Canadiens qui avaient osé débarquer en pleine guerre, et ils y étaient pratiquement tous restés. J'ai fait quelques photos qui pourraient illustrer, va savoir, un truc sur les soupes au potimarron. Devant la petite maison traditionnelle en briques et gros galets, il y avait 4 voitures garées, dont 2 avaient des plaques des Pays-Bas. On venait de loin pour consulter le sorcier. La superstition n'avait pas de frontières. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis entré dans une sorte de salle d'attente. Avant, ça devait être une cuisine ou un petit salon. 3 personnes, des hommes assez âgés, attendaient sagement, tordus et bancals, plantés sur des chaises dépareillées. Sur un guéridon, un gros et antique téléviseur relié à un tout aussi antédiluvien magnétoscope et, surprise, sur l'écran, un film porno soft. Le rebouteux soignait tout, y compris les libidos hésitantes. Les patients me saluèrent d'un discret signe de tête, aucun ne parut gêné, et tous les regards revinrent vers de somptueuses fesses virant au rose. Il n'y avait pas que les hommes qui étaient déréglés. Le son était coupé, le silence régnait, pesant, et l'on entendait des voitures chointer sur la route toute proche. Depuis le matin, je souffrais comme un âne. L'humidité générale, sans doute. J'avais passé la nuit dans un hôtel suintant, allongé dans un vrai gant de toilette. J'ai attendu une bonne heure, et enfin, au moment où j'allais me casser, c'est le cas de le dire, mon tour est arrivé. Suivant. Je me suis levé de mon siège de torture en grimaçant et en me frottant les reins. Raymond Mézin était un petit vieux ratatiné en costume de velours élimé. Il ressemblait vaguement au grand Schtroumpf. Lumbago, stade 12. Bien joué. Depuis combien de temps? Quelques années, avec des hauts et des bas. Enlevez le haut, baissez un peu le bas et allongez-vous sur le ventre. C'est 20 euros. Ben tiens, je me suis dit, ça commence. J'ai observé se laver les mains en les trempant dans une bassine d'eau fumante dans laquelle on aurait pu faire cuire un œuf. Et puis, il m'a caressé longuement les reins. Une vraie plume taille en feu me courant dans le bas du dos. S'il pensait que c'était comme ça qu'il m'éliminerait un lumbago ayant résisté à la science la plus pointue... Vous êtes parisien, c'est ça? Comment vous le savez? Ça se voit tout de suite. La crispation urbaine. Allons bon, la crispation urbaine. Après 50 scanners de rayons et autres IRM... Vous faites quoi comme boulot? Je suis photographe. Je suis là pour faire un reportage sur les ferries qui viennent d'Angleterre. À Dieppe? Oui, c'est ça, à Dieppe, oui. Avec tous les Anglais qui débarquent pour faire le plein. Trop plein, même. Bon, maintenant, vous vous taisez. Et en me caressant toujours très doucement, il s'est mis à psalmodier une longue litanie. J'ai reconnu une liste de saints. J'ai repéré des Bretons.
Babu, dit Bohan, Tupétu, Yves et d'autres, peut-être des Normands. Qu'est-ce que je foutais là, avec ce type qui parlait à mon cul d'ancien bienheureux que plus personne ne connaissait? C'était vraiment n'importe quoi, mais bon, j'y étais, de mon plein gré, à la Virinque, et j'avais déjà paumé 20 euros. C'était peu par rapport à cette expérience de dingue. Je pourrais toujours raconter ça un jour, au détour d'un article un peu gonzo. Et puis il m'a soufflé sur le haut des fesses 3 fois son souffle chaud. C'est bon, vous reviendrez demain, même heure, et après ça, ce sera fini. Je ramène 20 euros demain? Mais il est déjà payé, non? Ne soyez pas agressif. Je me suis extirpé de sa table de bois. Le dôme cisaillait toujours. Pas de miracle, fallait s'y attendre. En remontant mon froc, j'ai regardé les murs de la petite pièce, couverts de tableaux minuscules mais anciens, dont certains, même de loin, très réussis. Docteur Miracle a graillonné. Cadeau de patient reconnaissant, très reconnaissant même. J'adore les jolis tableaux. Jolis, c'était un bien grand mot. Il y avait plein de croûtes, comme si ces murs avaient un eczéma. Seuls 4 ou 5 avaient une sorte de dignité. Il y en avait même 2 qui pouvaient passer pour des petits braques. Il a continué en me montrant une aquarelle un peu éteinte. Vous voyez celui-là? C'est un Mathurin Méheux. Plus cher, paraît-il, que ma bicoque et mon terrain. Mais je ne le vendrai jamais. Ça porterait malheur. C'est un cadeau. Moi, j'en avais repéré un autre. Une petite huile ancienne, fin 18e apparemment. Très proche d'un merveilleux tableau que j'avais déjà remarqué au musée de Brest. Et celui-là, on dirait un Jacques Sablé. Vous avez l'œil. C'est un Jacques Sablé. Il est signé. Inconnu au bataillon, cela dit, le Sablé, vous connaissez? C'est un Lillois qui me l'a offert. Je lui ai enlevé sa sciatique qui l'empêchait de vivre depuis de nombreuses années. Et la sciatique, je vous le dis, c'est sciatique. Comme disait Lao Tzu. C'est ça. Rien qu'avec ce petit tableau, vous pourriez racheter 2 ou 3 immeubles sur le front de mer à Dieppe. Ah bon? Première nouvelle. Mais je m'en moque. Je ne peux pas monnayer mes cadeaux. Je vous l'ai déjà dit, je perdrai mon don. Ce serait pas une grande perte, j'ai pensé. J'avais toujours un mal de chien. Et moi, fasciné, je regardais toujours la petite huile. Il l'a décrochée du mur et me l'a donnée. Tenez, c'est vous qui rachèterez la moitié de Dieppe. Bon courage. Je peux pas accepter. Vous n'aimez pas ce tableau? Ah si, si, beaucoup. Eh ben pas moi. Prenez-le. Là, faut que ça circule. Bon, à demain, même heure. Il a alors ouvert la porte. Un malade est entré en coup de vent et en gémissant, suivant, avant même que je sorte mon petit tableau à la main. Dans la salle d'attente, il y avait encore plus de monde. On m'a observé comme aux zoo. Un on très intéressé par la courbure de mon dos douloureux. Les affaires marchaient. La raison reculait. Sur ce qui servait de parking devant la bicoque, il y avait une grosse Rover bleue métallisée, si même les Anglais s'y mettaient. Et cassé en 2 comme un vieillard, je suis revenu à l'hôtel. Je me suis tapé dans un resto coquet du centre-ville une marmite diepoise que j'ai dégustée avec componction, une fesse sur la chaise, l'autre dans le vide. Ce chien de rebouteux avait multiplié par 2 mon limbago lancinant. En plus, le lendemain matin, je devais aller à l'hyper, sur la petite colline, pas loin au-dessus du port, pour assister au balai incessant des caddies anglophones et shooter la démence alcoolique à l'œuvre. Ça allait être coton. J'ai ouvert les yeux à 9h12. J'avais zappé mon réveil. La première fois depuis longtemps. L'air du large, sans doute. L'iode, les algues vertes, le parfum du chouchen. J'ai foncé. Putain, j'avais rendez-vous au magasin dans à peine un quart d'heure. Panique, douche en vitesse et petit déjeuner roboratif. Et c'est quand j'ai attaqué le lard frit et les œufs brouillés que j'ai réalisé que je n'avais plus mal au dos. Enfin, presque plus. Je me suis piqué une suée, c'était pas possible, j'étais victime d'une illusion. Je tombais dans le côté obscur. Je me suis tortillé sur la chaise, faisant jouer les lombaires. Rien. Presque rien. Mon lumbago s'était fait la malle, en douce. Les seins bretons avaient foutu la trouille à ce salaud d'Alain.
C'était quand même incroyable. Jamais je pourrais raconter ça à qui que ce soit. À l'hyper, ça a commencé très dur. Le responsable approvisionnement m'a montré un énorme et clinquant chariot à roulette. Eh, je vous présente Philippe. Philippe Cali. Philippe Cali. Et de se marrer aussi sec. Ça a débuté sur les chapeaux de roue. J'étais en pleine science-fiction. D'abord la disparition brutale de mon limbago, et puis l'humour proprement interplanétaire de mon interlocuteur. C'est en équilibre sur un petit nuage fragile que j'ai assuré la suite. Le ballet des rosbifs réglé comme du papier à musique. Plutôt punk, comme zik. Débarquant à peine du ferry, déjà titubant, car ils avaient le droit de picoler pendant le voyage, ils se jetaient sur leurs poussettes métalliques, grinçantes et à roulettes, alignées pas loin du quai, puis les baladaient tant bien que mal à travers la ville en direction de la pente les emmenant à l'hyper. Là, ils les remplissaient de tout ce qui était buvable, qui contenait un taux conséquent d'alcool, c'est-à-dire légèrement supérieur à l'antigel. Ensuite, sans faiblir, ils redescendaient la pente en hurlant, accrochés à leurs immenses chariots bourrés jusqu'à la gueule, pour éviter d'être entraînés vers le vide et les eaux glauques du port. Alors ils fonçaient vers le bateau qui allait repartir vers la Verte Albion. Ça valait bien de m'arrêter en Paris. Généralement, ils y parvenaient, mais quelques-uns plus atteints auraient à attendre quelques heures le ferry suivant, dans un des nombreux bars de la vieille ville, bien sûr. Aucun d'entre eux ne visiterait Dieppe, où d'ailleurs il n'y a pas grand-chose à visiter. Mais ce ballet aussi tragique que théâtral ne m'intéressait que peu. J'ai fait un paquet de clichés dont je savais à l'avance qu'ils ne seraient pas très bons, un peu Willy Ronis à la ramasse. Parce que je ne pensais qu'à une chose, c'était inouï. Je ne souffrais presque plus de mon putain de limbago. Je n'avais qu'une hâte, revenir voir le Raymond Mézin pour qu'il termine le travail et tenter d'en savoir plus sur sa pratique. Et si c'était possible, lui tirer le portrait, sage, ombreux, à la Havdon. Comment s'y prenait-il pour battre la médecine moderne aussi bêtement, simplement avec l'aide de Saint-Breton au rancard? Même si je me doutais qu'il n'y avait pas de réponse, la question idiote, réponse du même tabac, il m'enverrait prier à l'église Saint-Jacques. Il n'y avait pas grand monde devant la maison du sorcier. Mais il y avait la rover de la veille. Son proprio en était au même stade que moi, deuxième et dernière séance. Raymond m'a reçu assez vite, après avoir expédié le rosbif qui, en sortant droit comme un i, m'a à peine regardé. Comme si tous ceux qui avaient affaire au grand sorcier en avaient honte. Même topo, la litanie des saints, les petits souffles sur mes reins, presque pas un mot. Quand je suis parti, il m'a simplement souri. Bonne vie. J'ai répondu bêtement. Vous aussi. Je n'ai même pas pensé à le remercier. Peut-être parce que je ne voulais pas encore admettre le miracle. Je n'ai bien sûr pas osé lui tirer le portrait. Tout ça baignait dans une normalité inexplicable. J'ai passé le reste de la journée à proximité des ferries, à assister au ballet des bagnoles et des biturins, à tenter d'interroger des marins, quelques responsables syndicaux, à les photographier sur leur lieu de souffrance. Bref, à faire le boulot. Et puis, en fin d'après-midi, je suis allé me balader dans le vieux Dieppe, sacrifiant au rite d'aller boire une bière au célèbre café des tribunaux. Dans la rue menant au port, je suis tombé sur un petit encadreur, également brocanteur, qui exposait en vitrine des petits tableaux. Pris d'une soudaine impulsion et réalisant que je n'avais presque plus mal au dos, je lui ai acheté une petite nature morte, sans doute 19e, assez réussie. Un manoir en pleine cambrousse humide. Un cadeau pour Raymond Mézin que je lui offrirai dès que je pourrai. Par exemple le lendemain, si en me levant je n'avais plus aucune douleur. Certain que ça lui ferait le plus grand des plaisirs. J'ai passé la soirée à boire des coups, fallait fêter ça. 10 ans de souffrance disparus en 2 jours, ça méritait bien les 4 pures malts qui m'auraient chauffé le sang. Petit chauffage central intime. Le lendemain, j'étais comme un jeune yogi, prêt à me plier dans tous les sens. J'aurais même pu envisager un stage intensif de Kama Sutra. Sauf que j'étais tout seul. Le petit déjeuner avalé en vitesse, je suis parti en voiture et en sifflotant vers Pourville, vers mon sauveur. Il faisait beau. Beau en Normandie et dans mon corps. 2 miracles en un. En roulant, j'ai pensé que cet événement allait forcément changer beaucoup de choses. Pas mal d'assurance et de certitude. Même s'il était fort probable que c'était dans mon cerveau que la révolution s'était produite. Et quand bien même, le petit chaman du Pays de Caux était plus rapide
et moins cher qu'un honorable psychiatre de compétition qui m'aurait assuré que jusqu'à présent, j'en avais plein le dos et venais simplement de décider inconsciemment de réagir à une vague adversité. Quand je suis arrivé près de la maison du mage, j'ai tout de suite aperçu les gyrophares. Deux voitures de gendarmerie et une ambulance. Mauvais ça, drôle d'ambiance, pressentiment. Raymond Mézin, qui a eu une attaque, son grand âge, ou bien un patient ayant claboté en matant un film salace. Un peu de vent chargé d'iode piquant venait de la mer. J'ai pris une photo des lieux, un panoramique, comme pour m'en souvenir si... Je me suis garé à quelques encablures et le cadeau sous le bras, je me suis approché comme un client habituel. On ne peut pas passer, monsieur. Excusez-moi, mais je dois remettre un cadeau à monsieur Mézin. Un petit tableau. Un autre Pandore, un gradé, avec plein de lignes jaunes sur le képi, est sorti au même moment. M'a jeté un coup d'œil, a remarqué mon paquet. C'est quoi ? Un petit tableau. Un tableau ? Oui, pour Raymond, pour le remercier. C'est vraiment quelqu'un d'étonnant. Il n'y en a pas beaucoup dans son genre. Mais que se passe-t-il, commandant ? Vous êtes un habitué ? Pas vraiment. C'est la troisième fois que je viens le voir. Ça va être difficile qu'il y en ait une quatrième. Monsieur Mézin a été seulement agressé. Sans doute cette nuit. L'humour des képis. Merde. Mais la poisse. La part du diable. J'ai pris les devants. Pour répondre sans doute à votre prochaine question, je peux vous dire que cette nuit, j'étais à l'hôtel à Dieppe. Facile à vérifier. Pris de court, mais amusé, mais vous êtes qui, il m'a étudié un moment, m'a questionné en vitesse qui j'étais, ce que je faisais, où j'habitais, la base, et puis m'a demandé de le suivre. Dans la pièce où la veille officier Raymond, il y avait un brancard où le vieux Schtroumpf était allongé, très pâle, la tête bandée. Un infirmier installait un goutte à goutte. Quand mon sorcier très pâle, épuisé, m'a aperçu et reconnu, il m'a tendu sa main, tremblante, un peu décharné, et m'a regardé fixement. Je les ai pris, ses doigts. Ils étaient très froids. Les gendarmes ont laissé faire, pensant que la victime ne tendait sûrement pas la main à son agresseur. Raymond ne disait rien. Ne le pouvant peut-être pas, il respirait très fort. Mais me fixait toujours. Il semblait me sonder. Paisible, faible. Très faible. Moi, je regardais les murs. Et j'ai tout de suite remarqué les vides dans cette expo sauvage. Il manquait au moins 4 ou 5 pièces, dont le Meu, et ceux que j'avais pris pour des braques. Et c'est alors que la pogne qui serrait la mienne est devenue très chaude, presque brûlante. Il faut l'emmener, il fatigue. J'ai supplié l'infirmier. J'ai déposé mon cadeau sur le ventre du pauvre homme. Il l'a regardé, paisible, et m'a lâché la main. À fermer les yeux, j'ai même cru le voir sourire. Et puis, on l'a enfourné dans l'ambulance, qui est partie vers Dieppe, escalade dans la falaise. De loin, elle ressemblait un peu à un corbillard. Pendant une bonne heure, ils m'ont interrogé plus précisément, assez impressionné par mon boulot et le journal pour lequel je travaillais, et en même temps très étonné que je puisse côtoyer un charlatan avéré. Ils ont pris beaucoup de notes, pour vérifier mes assertions, et je leur ai parlé d'étoiles manquantes. Qu'à mon avis, on était venu lui voler ses petits trésors, il avait tenté de s'y opposer et avait pris un mauvais coup. Je leur ai précisé qu'une des cases manquantes sur le mur correspondait au petit tableau que Raymond m'avait donné la veille et que je tenais à leur disposition. De leur balancer des noms comme Meu ou Sablé ne leur a fait apparemment ni chaud ni froid. Mais c'était une piste comme une autre. Ils ont tenté de me faire décrire l'étoile manquante, mais mes souvenirs restaient flous. Des plages, des falaises, un ciel bas, une mer de plomb fondu, le tout venant dans le coin. Ils m'ont demandé de ne pas quitter la région tout de suite. Ça tombait bien, je les ai rassurés. J'avais quelques jours devant moi, quelques jours de vacances. Là, ils m'ont regardé encore plus bizarrement. Passer des vacances à Dieppe, pour eux, c'est comme si je leur avais avoué que j'étais le célèbre tueur nu et bavant de la côte d'Albâtre et que j'avais besoin de décompresser. Allô ? Et puis le téléphone du gendarme-chef a sonné. Un croassement de grenouilles ou de crapauds. Ça changeait des tonitruantes adaptations électroniques d'air d'opéra à la con que l'on entendait parfois dans les trains ou les autobus.
Il s'est tourné vers moi en raccrochant comme si ses gros doigts voulaient aplatir le frêle appareil. Raymond Mézin est mort pendant son transport à l'hôpital. Sans dire quoi que ce soit. Le pauvre vieux. Sonné, j'étais. Vous en pensez quoi, vous? Vous sembliez bien le connaître. Vous êtes tenu la main comme un parent, un ami. Je lui ai tout raconté à nouveau, dans le détail. Sans ne rien omettre. On ne savait jamais. Le terrain pouvant devenir glissant. Mais le fait que la victime m'ait traité avec chaleur m'exonérait peut-être de tout soupçon. À mon avis, c'est une crapulerie plus un accident. Malheureux. Tout ça pour 3 ou 4 petits tableaux. Certes, qui valent de l'argent, mais qui maintenant vont être difficiles à revendre ou à négocier. Le gendarme a craché en haussant les épaules comme si j'étais un benêt. Vous croyez ça, vous? J'ai dû alors les décrire encore plus fidèlement que la première fois, avec le peu de souvenirs que j'avais d'eux. Mais c'était la procédure. J'étais désormais un témoin majeur. Ils ont pris toutes mes coordonnées, et surtout les adresses exactes et précises de mon hôtel et de mon appartement parisien. En me rappelant l'ordre de rester dans les parages. Et je me suis retrouvé en plein vent, face à la Manche, aussi glauque et troublée que moi. Plus loin, à gauche, la plage de Pourville, à marée basse. Il y avait déjà pas mal de monde sur les galets, et des petits groupes s'entassaient, sous la falaise crayeuse, vers Varangeville, dans les zones où dominait le sable. Pas mal de chiens cavalant entre la mer et la falaise. Je n'aime pas les chiens, qui pour moi se divisent en deux catégories. Ceux qui ont la queue en l'air, et ceux qui l'ont pendante. C'est-à-dire ceux dont on voit le trou du cul et pas les autres. Même si les deux engins se chient partout. Et sur les plages, ça craint. Justement, une sorte de labrador hémiplégique tenu en laisse par un pépé à chapeau a déposé une bouse monstrueuse à 3 mètres de moi sur le ciment craquelé du front de mer. J'avais les nerfs. Mais vous pourriez ramasser quand même, c'est dégueulasse. Vous avez qu'à le faire vous-même si ça vous plaît autant. Va crever, j'ai pensé. Et puis le vieux est parti, se retournant pour m'écraser de son mépris. Il n'a pas vu le trou creusé par la tempête dans le sol. Il est tombé dedans en poussant un cri atroce. Comme il n'a pas lâché sa laisse, son clébard l'a suivi en raclant le béton salé. Du coin de l'œil, j'ai vu plusieurs personnes se précipiter, alors j'ai pas insisté. Bien fait. 2 ou 3 bosses pour un étron. Peut-être une côte flottante, avec un peu de bol le col du fémur. J'ai repris la voiture. Et je suis revenu vers Dieppe. J'avais rendez-vous avec un type de la mairie qui allait m'expliquer ce que les grosses têtes aussi pensantes que municipales espéraient améliorer dans les rapports entre la France et l'Angleterre, notamment la disparition programmée de la ligne des ferries. En attendant, j'ai téléphoné à un collègue du journal qui bosse au service politique mais qui, la plupart du temps, surfe sur les sites de vente d'œuvres d'art, qui achète, revend et se fait ainsi pratiquement un double salaire. Je lui ai vaguement décrit le MEE, les 2 cryptobraques, et aussi le petit sablé, on ne savait jamais. Je me sentais plus fatigué que d'habitude. Sans doute la sourde peine du décès du vieux Raymond. J'étais un peu comme un jeune indien qui venait d'enterrer le chaman qu'il connaissait depuis toujours. Et je repensais au nom que donnaient les guerriers à leur sorcier tribal. L'homme médecine. En tout cas, je n'avais absolument plus mal au dos. Le mec de la mairie m'a accompagné sur le port, me saoulant avec les aménagements possibles, mais surtout espéré du port des ferries, en arguant que de l'autre côté, à New Haven, il s'y était déjà mis et que ça serait une catastrophe si les ferries étaient un jour obligées de se rabattre sur le Havre. Sur le quai, je regardais les voitures, la plupart françaises et italiennes, quelques anglaises aussi, embarquées sur le petit paquebot. Et les simples passagers, des rosbifs en nombre, qui avaient déjà installé leur bar portatif à bord, zonés autour de la passerelle d'embarquement, titubants, vociférants, qui semblaient peu à peu en vouloir à la terre entière et surtout aux foutus mangeurs de grenouilles. Aucune reconnaissance du ventre. J'ai pensé que si jamais il y en avait un qui tombait à la flotte, il coulerait direct. L'alcool est plus lourd que l'eau. Et puis il y a eu l'un de ces aveuglés qui nous a pris à partie. On a réussi à l'éviter en slalomant entre des véhicules garés en épi. Je l'ai vu alors ramasser une pavasse et se tourner le regard trouble vers nous. Mais il s'est pris les pieds dans un amas de vieux cordages pourris et a plongé direct entre le quai et la coque du Seven Sisters. Là encore, j'ai entendu ses potes hurler en se portant à son secours, mais nous n'avons pas attendu les résultats de l'intervention. Voilà, a résumé le mec de la mairie, ça arrive tous les jours.
Mais c'est jamais très grave, ça les dessoule. Remarquez, dessoulé pour eux, ça l'est peut-être grave. Hein. Moi, j'étais troublé. Ça faisait la deuxième fois que je souhaitais du mal à quelqu'un et que ça arrivait dans les secondes qui suivaient. Le hasard, tout à coup, faisait bien les choses. Le soir, j'ai pas fait grand-chose. J'étais crevé, vidé, sucé de l'intérieur. Comme si j'étais dans une dépression aussi compacte que celle qui se formait au-dessus de la Manche. Plus de l'imbago, mais une belle déprime. Après avoir pris quelques notes pour le boulot, je me suis couché direct sur mon pieu, aussi plat qu'une sole. Au petit matin, contre toute attente, le ciel était bleu, couleur acier trempé. Tant mieux pour mes petites vacances, ça tombait à pic. En plus, j'avais récupéré. Je me sentais comme neuf. J'étais même en pleine forme. Alors je suis parti en balade. Le parc des Moustiers, à Varangeville, pour voir les rhododendrons géants. Et le petit cimetière, au bord de la falaise, face au vide, avec la petite tombe de Braque. J'ai pensé brièvement à Raymond Mézin. Je lui ai même souhaité de reposer à jamais dans un si charmant endroit. Et le manoir d'Angot, là où la piraterie maritime s'est inventée. Sans penser à rien, en roue libre, respirant à plein poumon. La disparition de mon limbago me libérait la tête, je pouvais passer à autre chose. Et je commençais aussi à m'impatienter, je voulais revenir à Paris, comme pour essayer une seconde vie. J'ai mangé dans un petit resto du côté d'Offranville, servi par une armada de petites vieilles tout en dentelle, l'impression de déjeuner chez des tantes et cousines. Quand je suis revenu à l'hôtel, bien décidé à leur annoncer mon départ pour le lendemain, la jeune femme derrière le comptoir m'a appris que deux messieurs étaient venus dans la matinée pour me rencontrer. Des gendarmes ? Non, non. Ou alors en civil. Mais très froid. Presque sinistre. Quand je leur ai demandé pourquoi c'était, ils m'ont répondu qu'en gros, ça ne me regardait pas. Alors je leur ai donné aucun renseignement. Vous avez bien fait. Je vous remercie. Ils ont attendu presque une heure dans le salon, ça m'a gonflé. Alors je me suis permis de mentir. J'aurais dit que vous étiez au Havre pour la journée. Encore une fois, vous avez bien fait. Je les sentais pas, ces deux zigotos. En plus, ils avaient un drôle d'accent. Anglais, je pense. Mais ils parlaient parfaitement français. Vous vous appelez comment ? Judith. Merci, Judith. Je lui ai demandé où était la gendarmerie principale, bien décidée à savoir qui pouvait vouloir me rencontrer à ce point. Moi qui ne connaissais personne dans le coin. Il y avait peut-être du nouveau à propos de la mort de Raymond Mézin. Peu de chance que cette visite un peu inquiétante ait un rapport avec mon enquête sur les ferries. En sortant de l'hôtel, je me suis quand même surpris à inspecter les alentours, à détailler les gens, patientant à bord de leur voiture. Mais c'était jour de marché, et il y avait encore foule dans les petites rues de Dieppe. Rien à signaler. À la gendarmerie, j'ai facilement pu rencontrer le gradé qui m'avait déjà interrogé. Il n'a pas semblé plus intéressé que ça par mes dires et m'a regardé comme un paranoïaque qui sommeille. Il m'a conseillé fermement, si j'avais vraiment de sérieux doutes, de déposer chez eux mon petit trésor, ce tableau d'un certain Sablé, qu'il ne connaissait pas avant que je lui en parle. Je lui ai demandé s'il considérait que c'était une pièce à conviction. Il m'a presque foutu dehors. Un peu après, mon pote collectionneur m'a laissé un message. Simple, direct. Si c'était un vrai Sablé, ça valait dans les 300 000 euros. Carrément. Fallait le croire. En rentrant à l'hôtel, angoisse. Deux fois, j'ai aperçu, garé, me coupant la route, zonant dans la vieille ville, la Rover bleue métallisée, la même que j'avais remarquée devant la bicoque de Raymond Mézin. Ça commençait à faire beaucoup. Et puis elle a disparu. Comme par enchantement. Ou par calcul. Pas de parano. Un peu plus tard, je l'ai revue. Rangée sagement devant l'hôtel. À cause des vitres fumées, je n'ai pas pu détailler ses occupants. Né en l'air, j'ai fait comme si je ne m'y intéressais absolument pas. Judith, derrière le comptoir, m'a presque sauté dessus. L'autre jour, les mecs ils sont venus. C'est eux là, dans la Rover, j'en suis sûre. Vraiment ? Sûr ? Ouais, ouais, il faut prévenir la police. La police ? Municipale ? C'est la gendarmerie qui s'en occupe. N'importe qui, je m'en fous, je le sens pas ce truc. N'ayez pas peur, Judith, je suis là. Ah, ouais, super. Elle a grimacé. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai réussi à faire quelques photos de la bagnole maléfique et de sa plaque d'immatriculation. Un
peut-être que c'était de la parano en barre de 8, mais on savait jamais. S'il m'en voulait vraiment, je le saurais assez vite. Et d'ailleurs, pourquoi m'en voudrait-il? Il n'y avait pas beaucoup de raisons. J'en voyais essentiellement deux. Soit j'avais vu, sans le savoir, l'agresseur de Raymond Mézin dans sa petite salle d'attente, soit je l'avais photographié, sans m'en rendre compte, lors de mon reportage sur la vie passionnante des ferries et de leurs occupants. Ou bien ils en voulaient à ma petite toile, au sablé. Dans ce cas, en volant à Raymond ses autres toiles, ils n'avaient pas trouvé la pièce maîtresse, celle que j'avais en ma possession. Et ils voulaient peut-être la récupérer. Elle devait valoir un sacré sac. Mon pote avait donc raison. Du coup, je l'ai sorti du tiroir de la table de nuit et je l'ai amené à Judith, en lui demandant de la mettre au coffre de l'hôtel pendant les deux ou trois jours qui me restaient à vivre ici. Il n'y en avait pas de coffre. Mais elle l'a planqué dans ses propres affaires en m'assurant que personne ne le saurait. Devant l'hôtel, la Rover avait disparu. J'en ai profité pour aller me balader, aux aguets. Un ferry venait d'arriver et Dieppe était subitement envahi de bagnoles anglaises et d'autant de rosbifs assoiffés. Effrénés, certes, mais pas forcément des tueurs en goguette. Il faisait presque beau. Le ciel était laiteux, dégagé comme un front sans frange, et un vent léger adoucissait l'atmosphère ouatée de ce printemps tardif. J'en ai profité pour aller sur l'immense plage bordant le front de mer. Ses grandes façades rectilignes à la Ostende, ses hôtels aux balcons un peu bouffés par le sel, et à gauche, le vieux château, médiéval malgré tout, abritant le musée. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et sur l'immensité des galets, les baigneurs improbables et les familles prenant le soleil étaient clairsemés, un peu comme une crise d'acné sur la peau grise et tannée d'un retraité. J'ai choisi une place à distance respectueuse d'une famille très Koh-Lanta et d'une bande de mômes pour l'instant suffisamment tenus par des parents déjà fatigués. J'ai inspecté les galets, pas question de m'allonger sur une crotte de clébard, même séchée, ou sur des restes pourris de repas pris sur le pouce. J'ai réalisé que, peu de temps avant, mon lumbago m'aurait interdit de m'allonger sur ce matelas de silex. Rien que pour cette raison, j'étais content d'être venu jusque-là. J'ai regardé le ciel fixement. Quelques mouettes faisaient des nœuds. Et je me suis mis à somnoler. Vaguement bercé par les cris, de plus en plus énervés, des gosses d'à côté qui quittaient peu à peu la douce et riante douceur de l'enfance pour devenir de redoutables hitléro-semeuriliens. Et quand des galets atterrirent pas très loin de moi, quand les hurlements me vrillèrent les oreilles, je me suis redressé. Les gnards se jetaient des pavasses, les parents s'en foutaient, le drame était permanent. J'étais prêt à intervenir, du genre « Dites-moi, vos gosses sont de vrais dangers publics, et avant qu'ils assomment quelqu'un, ils vont s'assommer eux-mêmes. » Mais au même moment, j'ai aperçu le type venant vers moi, en costard, l'air malhabile, comme s'il marchait sur des œufs. Et je l'ai vaguement reconnu. Je l'avais déjà vu, mais où? Ce malabar était manifestement là pour moi, et pas pour discuter des différences entre Willy Ronis et Cartier-Bresson. Je me suis levé. À ce moment-là, un des gosses a lancé un galet visant maladroitement son pote et atterrissant sur le crâne du mastar, qui se retournant lui a flanqué une tarte automatique. Aussi sec, les deux parents et le tonton du môme se dressèrent également, prêts au baston. On ne touche pas impunément au sang de leur sang, on ne frappe pas des enfants, même s'ils vous envoient des enclumes dans la gueule. Je n'ai pas assisté à l'affrontement. Je n'ai pas attendu que ça dégénère. J'en ai profité pour me barrer, claudiquant sur les pierres, sourd aux hurlements. Je n'avais aucune envie d'être le témoin numéro un de ce drame périurbain. Avant que le costaud ne parvienne à se tirer des griffes des parents excités, j'étais loin. J'inspectais les alentours. Simple précaution. On m'avait donc suivi en permanence, j'en étais sûr à présent. J'avais des coriaces à mes trousses, de vrais berniques. Ça devenait trop dangereux. Fallait prendre des décisions, même des décisions de lâche. Et surtout pour moi, des décisions stratégiques. Je ne suis pas taillé pour affronter une mafia quelconque. J'ai foncé sans me retourner à la gendarmerie principale. Je n'avais rien à dire au Pandore. Mais si les autres me suivaient, ils abandonneraient pour un temps leur surveillance. Mon contact, le gradé n'étant pas là, j'ai fait semblant de l'attendre un moment dans le hall. Dehors, rien d'anormal.
pas de rover, pas d'armoire à glace. Et là, sur le banc casse-fesse, regardant vaguement les affiches à la gloire de l'armée et de la gendarmerie française, j'ai eu une drôle d'impression. Je me suis mis vaguement à délirer, en sueur, subitement. Je venais, stressé par la pression, d'imaginer l'improbable, l'impossible, qui tout à coup me paraissait probable, voire possible. D'abord, le type odieux avec son chien merdeux à qui j'avais secrètement souhaité de crever et qui s'était aussitôt vautré dans un trou. Les passagers du ferry, qui venaient me chercher Noise et dont l'un était tombé à l'eau. Et puis l'histoire des gosses et des galets sur la plage. Par trois fois, j'avais rapidement, instinctivement, souhaité de sérieux emmerdements à tous ces ennemis potentiels, et c'était arrivé juste après. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne pensais ni à la chance ni au hasard, je pensais à Raymond Maizin. Au fait qu'avant de mourir, il m'avait longuement tendu la main, l'avait serré. Je me souvenais tout à coup de la chaleur incroyable qui était entrée en moi. Je ne pouvais penser qu'à ça. Raymond Maizin m'avait transmis un don. Pas celui de soigner des limbagos, non, mais celui de nuire, à distance, à tous ceux qui étaient sur le point de me nuire pareil. C'était incroyable, c'était impossible. Mais je ne pouvais plus m'enlever ça de la tête. Il fallait absolument que je vérifie. Sinon j'allais devenir fou. Je suis sorti de la maison Poulaga, et sur mes gardes, je suis revenu dans le vieux Dieppe. Je me suis installé à une terrasse de café, et, aux aguets, j'ai observé le reste du monde. Il y aurait bien un événement sur lequel, à distance, je pourrais intervenir. Comme dans un rêve, ou un cauchemar. Je ne savais plus si je versais dans la connerie ou la folie. Un peu plus loin, à une autre table, un couple s'engueulait grave. J'ai même entendu un salope rageur. Ça, on n'a jamais le droit, j'ai pensé. Ce connard méritait de se prendre la tasse de chocolat brûlant en pleine poire. Ça n'a pas traîné. La femme ulcérée a pris son mug et en a jeté le contenu au visage de son insulteur de voisin, qui brûlé, s'est mis à hurler et, arrachant la nappe, s'est essuyé nerveusement. La femme hautaine en a profité pour se barrer. Le mec désappointé s'est tourné vers moi, me prenant à témoin. Quelle salope, vraiment, quelle salope, il a résumé. Il n'avait pas compris. Et sa chaise, se cassant en deux, s'est écroulée sous lui à grand fracas. Maintenant, c'était sûr. J'étais le maître du monde. Superman, Dark Vador et Vladimir Poutine, à côté de moi, c'était des nains pusillanimes. La plaisanterie avait assez duré. Avec mes nouveaux pouvoirs, merci Raymond Maizin. J'allais revenir à Paris et régler plein de trucs. Je ne savais pas encore quoi, mais ça allait chier. La vengeance est un plat qui peut se manger tiède. Non, non, je déconne. Je repassais par l'hôtel, prendre mes affaires et saluer la gentille Judith. Après, j'irai voir les gendarmes pour les prévenir que je m'en allais et qu'ils pourraient toujours me joindre à Paris en cas de besoin. Et s'ils refusaient mentalement, je foutrais le feu à la boîte à Pandore. Non, je déconne. Le gommeux qui a remplacé au desk la belle Judith m'a demandé fiéleusement. Vous n'êtes pas au courant ? Au courant de quoi ? Ben ce matin, elle s'est fait agresser ici à l'hôtel. Elle est à l'hosto, contusion multiple. Des mecs qui cherchaient à voler la caisse. Comme s'il y avait du fric dans des deux étoiles. Des nuls, quoi. Des nuls dangereux, surtout. Je suis monté dans ma chambre. Ils avaient réussi aussi à ouvrir la porte sans effraction. À l'intérieur, tout avait été fouillé, chamboulé, jeté à terre. Comme il n'y avait pas grand-chose, j'ai vite fait le tour. Ils ne m'avaient rien piqué, mon appareil photo, je l'avais sûrement en permanence. Ils avaient nettement cherché un truc précis. Et j'ai pensé aussitôt au sablé. J'ai foncé à l'hôpital. Effectivement, Judith avait bien morflé. Son visage avait bleui sous les coups, et j'ai remarqué la tête et les pansements autour de sa main droite. Elle m'a reconnu, et les larmes lui sont montées aux yeux. J'ai montré sa main. Torture. Oui, c'était atroce. Mais je suis pas très courageux, j'ai craqué. Je leur ai dit. Où était le sablé ? Le petit tableau, c'est ça ? C'est ça. En même temps, je ne trouvais pas trop de raison à continuer à avoir peur et à souffrir pour vous. Je ne vous connais pas. J'ai contemplé cette pauvre fille cassée pour rien.
J'avais une sacrée honte tout d'un coup. Les gendarmes sont venus vous voir ? Oui. Je leur ai aussi tout dit. J'en ai marre de payer pour les autres. J'y suis pour rien. Je leur ai dit pour vous, pour le tableau, tout ça. Et vos agresseurs ? Des horreurs. Accent anglais. Un des trois. Je l'avais déjà remarqué il y a peu, tout au début, au volant de la Rover. Mais ça, je leur ai pas dit. Pourquoi ? Parce que j'en suis pas sûre. Je suis une lâche. Mais je suis pas une donneuse. Merci, Judith. Tu es surtout très courageuse. Et je l'ai embrassée sur le steak qui lui servait de joue. Elle pleurait toujours très silencieusement. À l'hôtel, j'ai repris mon maigre bagage. J'ai rendu la voiture de location et je suis passé par la petite gare tapis au fond des quais pour prendre mon billet de retour. Ensuite, j'ai foncé à la gare maritime. Dans 4 heures au soir, il y avait le prochain ferry partant pour la verte Anglicherie, le Seven Sisters. Ça tombait bien. 4 heures d'attente à Dieppe, une éternité. La nuit pointe son encre. Des phares et loupiottes s'allument un peu partout, et les véhicules grimpant à bord du ferry ressemblent à des scarabées à pile fournis à la char. Un peu plus loin, sur la lèvre instable de la petite falaise du Polet, pas loin de Notre-Dame du Bon Secours, je regarde patiemment le port plus bas et le balai des bagnoles entrant dans le ventre mazouté. Je ne bouge pas d'un poil, malgré le petit vent tenace venant de la Manche. Et puis tout à coup, je me fige. Mes yeux isolent, pupilles de loup inspectant de loin un troupeau lamentable de moutons uniformes, une voiture que je viens de repérer, de reconnaître, dans la file menant au pont arrière du Seven Sisters, la Rover bleue métallisée. Au moment où elle va grimper sur le navire, très théâtralement, je me concentre. Je rassemble mes chakras. Je ferme les yeux. Et quand ma main droite devient brûlante, je claque des doigts. La grosse voiture explose. Gerbe de rouge orangé dans l'obscurité. Sonné, je tourne alors le dos à la mer. Et 2 secondes après, le bruit sourd de la détonation me recouvre au moment où je rentre dans l'ombre. Je redescends vers la ville, vers la gare. Et tout à coup, en sautant une marche de l'escalier grossier, fait en gros galet de silex poli, une douleur blanche me cisaille le dos. Et j'en suis sûr. Chiri. Mon limbago est revenu. C'était Plein le dos de Jean-Bernard Pouy. Avec Christophe Raymond, le narrateur, Thierry Bosque, Raymond Mézin, François Perrache, le médecin, Jacques Garcy, le patron du magazine, Alexandre Boras, le gendarme, François Siener, le commandant, Léonie Pinjot, Judith, la réceptionniste, Séguir Mohamedi, le réceptionniste remplaçant, et Michel Baladi, David Mallet, Claude Gisbert, Olivier Carrette. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine, Philippe Thibault. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, François Christophe.